s'il te plaît. Allez, imprime, imprime. Attends-moi. Tes impressions sur, après cette projection des bas. Bah, franchement, je suis agréablement surprise. Je pensais pas qu'il y aurait un rendu pareil, en fait. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des choses d'Emma. Viens t'asseoir, viens à côté de moi. Viens à côté de moi, je t'en prie. Voilà, c'est ce qu'elle me... C'est la personne qui m'a interpellé. J'ai pas eu le choix. Vous verrez, si vous regardez le court-métrage, vous verrez ce que ça donne. Ça a été très dur le moment de. Ouais, très très compliqué. Surtout. Il fait que de rigoler. Ouais, mais je peux pas. C'est fatigant. C'est... Non, franchement, c'est super bien passé. On a grave kiffé. Et en plus, franchement, premier rôle, il déchire. Mais vous connaissez depuis combien de temps? Parce que j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Depuis le tournage. Depuis le tournage, c'est la première fois qu'on se revoit depuis le tournage. D'accord. Ah, mais ça crée des liens de tourner ensemble, tu vois. Ouais, ouais, il veut me gérer, il veut me gérer. Je lui ai dit, c'est le petit frère. Oh, lui aussi. Et tu connais, nos petits aujourd'hui veulent gérer mais les grandes. Les tu vois grandes. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est là-dedans aujourd'hui, tu vois. Il est gêné, là. Là, c'est bon, là, il est gêné. Non, franchement, en tout cas, moi, toi, tu m'as touché quand tu as pris la parole tout à l'heure, parce que tu as parlé un peu de ta maladie, tout ça. Et, oui. Et franchement, grand courage à toi, parce que souvent, tu as vu, je t'enverrai des liens dans lesquels on fait des débats, nous. Et notre premier débat, c'était est-ce que les femmes sont plus fortes que les hommes, tu vois. Ouais. Et tu as vu, nous, on en a conclu avec mes gars, les anciens, on a dit, ah, les femmes, on nous surpasse dans la force. Apparemment, elles ont la capacité d'encaisser plus de choses. Ah, donc, vous nous battez, hein, tu as vu, nous, on l'a reconnu, nous. Les anciens, on l'a reconnu, tu vois. Ouais, non, mais oui, j'étais en fait en plein traitement. Ouais. Du coup, j'avais un cancer et voilà. Moi, c'était ça m'a permis un peu de m'émanciper entre guillemets. J'avais besoin de retrouver confiance en moi et tout. Et voilà quoi, Jeff m'a tendu la main gentiment avec ma fille. Je suis grave contente, c'est super bien passé. Et la prochaine fois, j'espère qu'on aura les rôles principaux. Aïe, aïe, peut-être aïe, on se rend coup, peut-être, je peut-être, sais pas. Peut-être. Voilà. En tout cas, grosse force à vous. Et t'as vu, j'ai posé la même question que j'ai posée à monsieur. Quel conseil t'auras donné à ceux qui hésitent à se lancer dans le cinéma, tout ça? Bah franchement, lancez-vous, vous avez rien à perdre. Mmh. Franchement, justement, toute critique est constructive. Donc franchement, essayez, franchissez le pas, ne serait-ce que si vous n'avez pas confiance en vous, de commencer les cours Florent, ou enfin Florent ou autre, hein, je dis Florent, c'est comme ça, swag. Mais voilà, essayez des cours, et puis voilà quoi, vous tentez, vous verrez bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est que du plus, et ça nous permet vraiment d'avoir confiance en nous. Donc voilà. Grosse force à toi. Merci. Et continue à avoir un sourire aussi communicatif. Merci beaucoup. Faut continuer ça. Faut continuer. Merci.